Rinvi, frontière entre les communes d'Alada et de Tofo. C'est le front nord du combat que mène le Bénin contre le coronavirus. Ici, seuls sont autorisés à passer les camions et les véhicules de transport de marchandises. Les policiers républicains et des militaires sont sur le terrain pour mettre en œuvre le cordon sanitaire effectif depuis minuit ce lundi 30 mars. Éplorée, Suzanne Aboukono se rend à Boyko, mais elle devra attendre. Le taxi qui la transporte ne passera pas la barrière. Cette mesure est pour le bien de la nation. Mais c'est un peu dur. Je vais en famille parce que j'ai perdu ma mère. Comme Suzanne, les autres noctambules voyageurs surpris par le cordon sanitaire font contre mauvaise fortune bon cœur. Vraiment, nous on voit que c'est une mesure très prise par le gouvernement, c'est très très important. Et nous prions quand même que Dieu nous épargne de cette maladie. Que le président de la République fasse tout pour nous mettre à l'abri de cette maladie. Maintenant, comme on ne peut plus circuler hors du cordon sanitaire, on va rester à la maison. Moi, je ne savais pas si on ne peut pas passer ou bien quoi. Bon, je vais à Sekoué,